concept du Noob versus Pro est assez simple. Trois personnes s'affrontent dans une épreuve de construction. Le principe est simple, faire la meilleure construction dans le thème donné. Mais attention, les joueurs n'ont que 10 minutes pour achever leur création. Une fois le chrono lancé, les joueurs ont l'interdiction de regarder ou d'interagir avec la construction des autres joueurs. Sinon, ils perdent un point sur la note finale. Une fois le chrono achevé, les trois joueurs seront jugés pour leur création. Chaque joueur recevra une note donnée par Souka. Celui possédant la meilleure note remporte le Noob versus Pro. Que le meilleur gagne. Et wesh les potes, c'est Soutrash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence les petits potes, mettez un maximum de likes. Un objectif aujourd'hui, 7000 pouces bleus pour une autre vidéo de ce genre. Et c'est parti les amis, n'hésitez pas aussi à tous vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre les 135 000 abonnés les amis. On y est presque, tout le monde s'abonne à la chaîne YouTube les potes. Vraiment pour que la Troll Family s'agrandisse au maximum les potes, je compte sur vous. Et c'est parti, aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un Noob vs Pro sur Minecraft. Et je ne suis pas tout seul, je suis évidemment avec Eva, Billy et c'est tout. Je dois partir. Ah, tu dois partir Eva? Oui, au revoir. Ok, je suis tout... Ah bah... mais qu'est-ce qu'il y a toi aussi là? Ça pique partout. Ça pique. Ah oui les amis, regardez, il y a plein d'hérissons partout. C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai que Billy a la phobie des hérissons. C'est n'importe quoi, regardez-moi sa tête, le pauvre, il est tout bleu. Ah ça, mais c'est bon Billy, faut pas pleurer. Mais oui papa, mais ça pique trop. Oh là 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 là. Mais t'inquiète pas Billy, ça va aller. Aujourd'hui on va faire un Noob vs Pro et tu verras que tout ira mieux. Ah oui, bah fais-moi un bisou sur ma blessure. Vas-y, je te fais un bisou. C'est bon? Ah bah j'avais le corona. Ah vas-y tais-toi. Eh vas-y, ramène la voiture, et n'importe quoi. Vas-y, bouge d'ici là. Hop là, nickel, vas-y monte. C'est parti les amis, on se dirige vers le Noob vs Pro en voiture. Voilà, c'est ma toute nouvelle voiture. Et oula, il y a quelqu'un là. Mais oh, c'est qui ça? Oula. Oula là là là. Alors attendez. Attends Billy, reste dans la voiture, je vais voir qui c'est. Oui papa. Ah mais c'est le hacker. Salut hacker. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais ça va, là je vois que t'es déjà prêt pour le Noob vs Pro. Oui j'ai encodé 2-3 trucs. Oula. Ok bon les amis, vous connaissez le hacker hein, il aime bien faire du piratage, du hacking et tout. Regardez tous les codes qu'il a mis dans ses panneaux quoi. C'est des trucs secrets sur Minecraft que personne connaît. Non, tu n'as pas le droit de voir ça. Ah, ok d'accord. Ok, ça va monsieur le hacker, excuse-moi. Bon, on va partir par contre, aujourd'hui t'es chaud pour faire un Noob vs Pro? Bah oui. Ok, nickel, du coup les amis, aujourd'hui le hacker et Billy auront 10 minutes pour construire leur meilleure météorite sur Minecraft. Restez bien jusqu'à la fin, notez leur construction dans les commentaires. C'est parti, je mets le chrono, vous êtes prêts? 1, 2, 3, bim, le chrono est lancé et c'est parti les amis. Let's go, on va voir qui va faire la meilleure météorite entre les deux. Let's go. T'as des petites idées? Ouais, j'ai beaucoup d'idées, papa. Ok, par contre, Billy, pas de triche, hein? Non, papa. Ouais. Attends, 2 secondes. Ti-ti-ti. Hop là, attention. Waouh. Waouh, mais Billy, comment tu fais pour casser aussi vite? Waouh. Bah, j'ai une pelle. Ah, t'es restée dans ma main. Ah ok d'accord. Ok bon c'est pourquoi pas. Bon attendez, on va voir un petit peu du côté du hacker qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est fait. Alors Je regarde. Oui. Mais vous faites quoi là? Parce que là il y a rien du tout. Ah ben il y a rien du tout. J'ai encore besoin de 5 minutes et après je me mets au travail. Ok bon les potes, comme vous connaissez le hacker, il a besoin du temps avant de coder tout ça là, regardez tous les noms de code qu'il a mis et tout. Du coup voilà, avant de hacker ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas Billy lui ne perd pas de temps, regardez qu'est-ce qu'il est en train de construire. Waouh. Ok, ah oui, ça fait vraiment effet météorite, ça, ouais. Ça, c'est bien joué sur le bloc. Ouais. T'es sûr? Ok. Ok, ça, c'est plutôt stylé, les amis. Bon, en tout cas, Billy commence bien. Pour l'instant, il n'a pas triché, c'est plutôt bon signe. Ah, tu veux que je commence maintenant? Bah, je sais pas. D'accord, y'a pas de soucis. Billy? Oui, papa? Billy, tu vas m'enlever ça tout de suite. J'ai pas de... Ah, j'ai rien fait. Regardez-moi ça, le gros tricheur.
Oh là là, Billy, mais t'es un de ces tricheurs, hein? What? Non, papa, mais tu sais que j'ai aucune chance contre lui. Bah si, t'as de la chance contre lui, Billy. Tout le monde a de la chance, vas-y, arrête de tricher. Oh là là, regardez-moi ce gros tricheur. Bon, vous savez quoi, les potes, je vais prendre la TNT, je vais tout péter parce que, regardez, il a réussi à faire tout ça en moins d'une minute, en moins d'une seconde même. C'est n'importe quoi, gros tricheur même. On va casser tout ça, bim, bim, voilà, nickel. Ça va, Billy, tu le prends pas mal? Mais Billy, mais tu connais les règles du Noob VS Pro, la triche c'est interdit. De base là, je dois t'enlever un point, tu vois. Mais tu crois que le hacker il triche pas? Bah le hacker il triche pas, il est hack, c'est autre chose. Bah moi je vais te hacker ce soir. Quoi? Non Billy, allez hop, si tu fais ça, c'est un point en moins Billy, alors hein, commence pas. Wow. Oulalalala. Qu'est-ce que tu nous fais là, le hacker? Je fais la météorite. What? Regardez les amis, le hacker comment il est en train de build, comment taré. Oh, non, parce que là, what? Mais t'as fait tout ça comment, le hacker? Bah quoi? T'as hacké tout, t'as hacké pour faire spawn ça? Bah oui. Et maintenant, j'ai construit. Ok, d'accord, ok, bon les amis, le hacker ne perd plus de temps, c'est plutôt bon signe. Oh Billy, bon, je vais aller faire hein, quoi? Pourquoi le sol il a changé? T'as vu le nouveau parquet? T'as vu, y a les ouvriers, ils sont venus, ils ont changé le parquet. Il est joli, je trouve. Oh, quel hacker, je t'ai vu, t'as un point en moins. Hop là. Ah, j'ai pas. Voilà, un petit point en moins, il a copié sur Billy, les potes, ça fait un point en moins. Par contre, Billy, toi aussi, je t'en enlève un autre parce que bon, tu triches. Hein. Ah, mais non, pourquoi? Mais non, c'est juste le parterre. Le parterre, on peut, s'il te plaît. Comme ça fait un peu dans le décor. Bon, allez, allez, vous savez quoi, les potes? Je vais lui enlever. Vas-y, ok. Bon, je te fais un petit cadeau, Billy, pour une fois. Par contre, pas de triche, hein, je t'en ai jamais sur toi. Non, promis, papa. Ok, ok. Ok, d'accord, bon, les potes, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu le pranker, je vais un petit peu pranker Billy. Comme vous le savez, il a la phobie des hérissons. Et ben, vous savez quoi, les potes, je vais prendre des petits hérissons comme ça, là, et je vais les faire spawn un petit peu dans les météorites. On va voir sa réaction, c'est parti. Oula, Billy. Oui, quoi, papa? Viens voir, j'ai vu des trucs dans la météorite. Hein? C'est quoi ça, ah, Billy? Ah oui, ou ça, papa? Regarde. Oh, attends. Ici, là. Ça va aller, Billy, arrête d'avoir peur. Oh là là. En plus, tu pleures. Ah, le hacker est de retour. Qu'est-ce que ça donne? Du coup, monsieur le hacker. Oula. Attends, j'ai encore des trucs à faire dans mon PC. Ah, je sais ce que je vais utiliser. Oula, ok, bon, les potes, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, sa petite météorite à lui. Alors, ok, bon, attendez, il a fait une petite météorite. Ok, il y a de la glace dans sa... Oui. Monsieur le hacker? Ça, c'est... Gunter. Gunter? Oui, Gunter. C'est qui ça, Gunter? Oula, bonjour, Gunter. Gunter, je suis Gunter. Bon, il ressemble un petit peu au cyborg, mais c'est pas grave. What? Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de ta météorite, Gunter? Tu fais quoi ici? Je suis venu ici pour un voyage. Pour un voyage, d'accord. Ah, t'étais dans la météorite quand elle atterrit ici? Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Bon, les potes, je pense que le hacker a mal hacké son truc. Il avait carrément fait spawn un espèce de cyborg, un espèce d'alien bizarre dans la météorite. C'est un petit peu chelou. C'est Gunter. Ok, si tu le dis, monsieur le hacker. Bon, en tout cas, je vais aller voir un petit peu du côté de Billy qui a une hache en main. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec cette hache. Oui, Billy. Quoi, papa? Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, si, c'est bien vu. Ouais, c'est pas vrai. Combien de temps? Il reste 3 minutes. D'accord. Ok, bon. Regarde, papa, toi aussi, t'es une hache. Quoi? T'as une hache dans ton avatar, papa. J'ai une hache? Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, il m'a fait ça, une hache. C'est inacceptable, papa. Moi, je suis le juge, Billy. Moi, je triche pas. Ok. Bon, en tout cas, Billy, là, faut que tu fasses vite parce que le hacker a pris carrément de l'avance sur toi, là. Regarde tout ce qu'il a fait, là. Ah oui? Bah oui. Oula, alors, ok. Bon, le hacker, les amis, en tout cas, il a fait une giga météorite qui a cassé tout seul. Je sais pourquoi un, mais pas deux. De quoi? De météorite. Mais là, j'allais demander une seule, n'importe quoi. C'est pas grave, je vais en faire deux quand. What? Ok, bon, il va en faire deux, le hacker. Pourquoi pas? En tout cas, les amis, je garde un œil sur eux pour voir si quelqu'un triche. Vous savez quoi? Je vais mettre ici, je vais mettre là et je vais les espionner chacun à leur tour. Comme ça, on voit si quelqu'un triche. En tout cas, j'ai un œil sur Billy. Je ne le sens pas, ce petit Billy. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, oui. Okay. Oula, mais celui-là, il est très grand. Ah! Billy! Hein?
Billy, je t'ai vu, Billy. La la la. Oh la 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 la. Construit. N'importe quoi. Bon là, par contre là, Billy, je peux pas te faire de cadeau, mon pote. Un petit ah, non, point en moins, mon pote. Allez, ah, si. Si, en flag. J'ai pris en flag. Rendez-les, Billy. Voilà, un petit point en moins. Voilà. Papa, viens. Dis-moi. Quoi? Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Ok. Regarde, papa. Ouais. Si, je fais pareil en cours. Tiens, 5 euros. Oh. Tu m'enlèves le point. Oh. Ok. Vas-y, ça reste entre nous, ok? Ouais. Vas-y. Ah, Billy, ça reste entre nous, hein. Prends pas la confiance aussi, hein. Non, papa. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est parti. Je lui ai fait un petit cadeau, les amis. Chut, dites-le pas dans les commentaires, sinon le hacker pourrait le voir, les potes. En tout cas, le hacker, c'est comment là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, attends 2 secondes. Okay, en tout cas, faut que tu fasses vite, il reste 1 minute. Ah oui, en 1 minute, ça va, je pense que c'est faisable. Ok, d'accord, monsieur le hacker. Ok, c'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Wow. Voilà. Wow, qu'est-ce qu'il est en train de... Wesh, qu'est-ce que tu fais là? Wow. Attends. Oula, ok, je pense que là tu t'es trompé un petit peu dans ton hack, monsieur le hacker. Non, hein. Je me suis pas trompé. Oula, ok, non, c'est un petit peu bizarre. En tout cas, ok, Billy nous fait une toute petite météorite avec des petits trucs autour et tout, plutôt stylé. En vrai, c'est plutôt sympa. Il vous reste moins d'une minute là, hein. Oh oh. Ah ouais, il vous reste 30 secondes. Oh non, il faut faire vite. Ok, vas-y, faites vite, faites tout ce que vous avez à faire, je cache les yeux, voilà. Pendant ces 30 secondes-là, vous avez le droit de tricher, faire ce que vous voulez, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est la première fois que j'ai entendu ce genre de truc, mais voilà, c'est la première fois. C'est parti, voilà, vous avez... Il vous reste 20 secondes pour tout finir, voilà. Ok, bon, les amis, je pense que là, le hacker a un petit peu du mal, là, je sais pas s'il aura le temps de tout finir, tout ce qu'il avait à faire. Wow. Billy. Waouh, il nous a fait une giga météorite de fou. Incroyable et top, c'est fini. Top. C'est fini, tous vers moi. On va commencer par noter le truc de Billy. C'est parti, viens, monsieur le hacker. Ouais. On va noter en premier la météorite de Billy. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les potes. Vous mettez une note sur 10 par rapport à la construction de Billy et du hacker. Alors, Billy, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait une giga météorite. Ok, en vrai, elle est stylée ta météorite, Billy. Hein. Ah, bah oui, je sais, papa. Regardez, des petites étincelles, il y a un petit peu de feu un petit peu partout, les détails sont présents. Le sol, il est complètement carbonisé à cause du feu, il y a de la lave et tout. Vraiment, le décor y est. Vraiment, Billy, je suis fier de toi. GG. Ah, je vais te mettre la note de. Je vais te mettre la note de 8 sur 10 pour cette météorite. Voilà, vraiment, elle est plutôt pas mal, même si t'as triché à la fin. Dites la note que vous donnez dans les commentaires. Moi, je mets la note de 8 sur 10. Voilà. Ah, en plus de ça, j'ai même pas de points en moins. Ouais, t'as pas de points en moins, c'est la première trop fois que t'en as hein, pas. Papa. Le hacker, tu mets. Tu mets une note de combien, le hacker? Je mettrais 5. 5? Ouais, oui. Ça va, il est un petit peu méchant quand même. Bon, on va voir un petit peu ta météorite à toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Oula. Ok, bon, moi, ta météorite est un petit peu... Ma météorite, moi, elle est quand même plus réaliste. Ah, c'est ça, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai, elle est beaucoup plus réaliste, sa météorite, les potes, parce que regardez, elle est carrément entrée dans le sol, ça a détruit tout ce qu'il y avait autour. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de trucs. Ouais, par contre, il y a un alien à l'intérieur, ça c'est plutôt pas mal. C'est Gunther. Gunther, ouais, c'est vrai, j'avais oublié son prénom. Ok, Gunther, toi, tu mets la note de combien sur sa météorite? Je mets la note de 10 vu que je suis venu ici, je vais vous envahir. Oui. 10, ok, bon voilà, en plus tes potes nous a menacé de nous envahir, oulala. Bon moi je mets la note de... Vous savez quoi? Je vais mettre la note de 8 sur 10, pareil, voilà, égalité. Égalité ouais pour ce Noob VS Pro les amis. Quoi, égalité? Tous mes ordinateurs pour aller hacker autre part. Billy, je t'ai vu! Billy, arrête, hein Billy! Arrête ça, je là! Je vais le tuer, le hacker! Mais non, Billy, allez! C'est bon, n'importe quoi! En tout cas, les amis, dites-moi le grand vainqueur pour vous dans les coms, je compte sur vous. Si cette vidéo t'a plu, mets un maximum de likes, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Soutrage, ciao les potes!